bienvenue dans un nouveau vlog. C'est Jess. Et Raya. Lulette. Regarde maman. Raya va aller voir Olive. Ah ma chérie. Voilà, comme tu l'as compris, on part en balade. Et aujourd'hui, on va aller voir Olive. Ça fait bien 3 mois tout tapé qu'elles se sont pas vues. Donc ça va être la joie. Qu'il y a un bébé. On va aller voir Olive. T'es contente d'aller voir Olive? Oui. Allez, je vous retrouve plus tard. Des dieux, tu parles. Des retrouvailles, je l'ai jamais vu comme ça avec un autre chien. C'est vraiment Olive, c'est particulier. Ben oui. Ben, Olive, elle s'associe bien avec tout le monde. Il faut aussi attendre. Hello! On est toujours le 20... 27 28 je sais même pas quelle date on est. On est jeudi. Non, mercredi. On est mercredi, mon Dieu. On est mercredi aujourd'hui. Est-ce qu'on est jeudi? Oh, bah, ah bah, non, on est mercredi. On est mercredi. Tu as entendu un gros ro de Raya. C'est pas moi qui ai fait ça, je te jure. Je voulais te montrer mon petit carnet de lecture. Voilà, voilà, que j'ai confectionné à l'aide de tous ces machins que j'ai commandés sur Amazon. Voilà, j'ai acheté des... Attends, je vais te montrer. Tu vois ? Des, je sais pas comment ça s'appelle, des washi tape qui sont très gros et qui sont un petit peu, tu vois, dans une ambiance pour lire. Voilà. Bon, il y a des alphabets ici, il y a des lettres. Bon, ça, c'est un, je sais pas si ceux-là je les utiliserai, mais bon, moi je trouve qu'ils sont plutôt jolis. Voilà. Et donc je me suis fait ça. Mais alors, on adore, c'est que ça, je l'ai mis à l'envers. On adore. J'ai fait des merdes sur chaque page. Celle-ci, bon, j'ai commencé comme ça à faire le truc, puis j'étais pas très, puis j'ai dit, oh, tant pis. Ici, j'ai oublié le A de Reeds. Non, mais quand je te dis que j'ai tout, voilà, c'est parfait, voilà. Et ici, bah, c'est la page dont je vais m'occuper aujourd'hui. C'est mes romans de l'avant. Et il y en a 8, et j'en ai lu 4 pour le moment. J'en ai 2 à rajouter. Donc, j'ai chroniqué. Mais bon, c'est rapide, tu vois, c'est pour ça que j'ai laissé qu'un petit... un petit truc ici. Maintenant, je regrette peut-être pour le livre de Sophie Jomard. J'en aurais peut-être plus à dire, mais au cas où, je ferai une vidéo. Mais voilà, on a les 2 premiers que j'ai lus. Donc, il faut que je te parle encore de celui-ci. Celui-ci, j'en ai déjà parlé. J'en ai 2 qui vont venir se rajouter là. Et comme j'en avais 8, j'ai fait ça. Voilà, voilà, je voyais les gens faire ça. Je trouvais ça mignon. Donc, je pense que je vais faire la même chose dans mon bullet journal, mais pour le calendrier. Voilà, pour mettre les mois. Je trouve que ça me laissera plus de place pour faire, pour mettre tout ce que j'ai à noter, notamment mes rendez-vous médicaux, toutes des choses comme ça. Donc, j'ai mis les petites couvertures ici. Donc, il me faut la magie de Noël et le renne mystérieux. Alors, voilà, j'essaye de couper. Je me suis dit que j'allais prendre celle-ci, que ça allait aller mieux. Bon, au début, je fais pas très droit, puis je vais recouper avec avec ma règle. Parce que le problème, c'est que là, c'est un peu grand. Donc, celui-ci, bah, tu vois, c'est un peu grand. Et celui-ci, bah là, ça va. Là, j'ai pas trop besoin de le retoucher. Mais celui-là, je vais quand même un peu le retoucher. Si je fais ça, est-ce que... Ouais, il a besoin d'être un peu retouché. Mais le problème, c'est où? Où est-ce que tu veux couper? Oh là là, j'espère que tu passes des bonnes fêtes, si tu fais les fêtes évidemment, que tu as passé un bon Noël, si tu fêtes Noël évidemment. Voilà, hop. J'ai Raya qui chipote autour de moi. Je regarde où est-ce que je peux couper en fait. Ici, parce qu'il n'y a pas le nom de l'autrice qui est... Voilà. Et donc là, le truc, c'est de finir les autres avant la fin de l'année. Et je dois encore préparer 2 pages, les 2 pages d'après, parce que j'ai lu 2 BD. Donc voilà. Et pour les attacher, j'utilise ça. C'est des trucs pour attacher les photos. une sale manie de les retirer toujours à l'envers. Voilà, ou alors c'est moi qui suis bête. Mais attends, il y en a un qui est parti avec l'autre. Raya! Non, non, attends. Viens ici. Tu peux pas manger les papiers. Viens ici. Viens ici. Ça, c'est non. Non. Oui, t'as beau faire ta petite... non. Quand je te disais dans le vlog, ça ne sert à rien de crier sur Raya. Là, quand je lui dis non comme ça, elle me monte dessus. Donc... c'est bien ce que je te dis, hein. C'est une petite chienne qui n'aime pas qu'on l'engueule. Voilà, et quand tu l'engueules, elle te dit, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Et l'autre, il n'est pas dessus, donc ça veut dire qu'il est resté collé là. Voilà. Pourtant, je lui ai donné de la mastication. On ne peut pas dire qu'elle manque de quelque chose, hein. C'est juste que là, elle a estimé qu'on n'avait pas assez joué avec elle, alors que son papa a joué à la baballe avec elle pendant au moins une bonne grosse demi-heure, qu'elle est sortie, qu'elle a été en balade avec Olive ce matin. Donc, on n'a vraiment pas à se plaindre. Hein, qu'on n'a pas à se plaindre. Non. Non, non, non. Là, on est un peu une enfant gâtée. Voilà ce qu'elle dit, maman. Donc, celui-là, je le mets là. Ça, c'est des photos hein, que j'ai fait. Parce que moi, je sais pas vous, mais moi, mon imprimante, elle fait de la merde, hein, clairement. Donc, je préfère imprimer. Alors, j'ai écrit en bleu, tout simplement parce que je me voyais pas faire tout en noir. Et donc, je voulais que mes parties... soit bien distinguable et donc c'est pour ça que j'ai mis du bleu. Oh, ça m'énerve quand je vois qu'elle chipote comme ça. Je me dis que c'est le truc à faire des conneries. Alors attends, il faut d'abord que je te parle de Clara. Donc ici, moi j'ai lu donc Le Noël de Clara, La petite sorcière de Natacha Godeau et Miss Patty. Alors l'histoire de celui-ci, en fait on suit Clara qui est une petite sorcière qui déboule dans une nouvelle ville où évidemment il y a des humains qui ignorent tout de la sorcellerie, de la magie. Elle ne peut pas dire qu'elle est une sorcière, elle n'a pas beaucoup d'amis et en plus de ça il y a un gars qui a vu que son chat parlait, enfin bref, et qui raconte partout dans l'école que c'est une sorcière, donc elle se retrouve un peu mise à l'écart. Et en période des fêtes, la maîtresse va proposer de faire des stands pour l'école. Et elle va s'associer avec une autre petite fille qui s'appelle... Qui s'appelle... Elvie. Non, c'est pas ça. Elvie, c'est le lutin. C'est fou hein, d'oublier les noms comme ça. C'est Laura, voilà. Et donc, elles vont faire un stand où elles vont faire des petits gâteaux, etc. pour vendre pendant la foire de l'école. Et durant le mois de décembre, elle va faire la connaissance de Elvie, qui est un petit lutin qui présente visiblement des pouvoirs et qui sait qu'elle est une sorcière et qui va lui demander de lui rendre un petit service. Voilà, tout ça bien sûr, en cachant à son amie Laura qu'elle est une sorcière. Même s'il se passe autour d'elle des choses... Raya, viens ici. Raya, allez louloute. Je vais quand même pas devoir refermer le passage parce que tu gipotes partout, hein. Allez, tu n'as pas à être là quand maman n'y est pas. Allez. Sinon, je te renvoie prépa par moi. Voilà, aujourd'hui, on a décidé d'être une casse-couille. Ah oui. T'es une casse-couille. Elle me regarde, elle a l'air de dire, comment oses-tu? Comment oses-tu, maman? Allez, on se calme et on se pose. Alors, j'ai trouvé l'histoire très sympathique. J'adore les dessins. Déjà, voilà, les dessins comme ça, ça fait penser un peu à un style, je vais dire, manga pour les enfants. Enfin, tu vois, un style un peu kawaii comme ça. Moi j'aime beaucoup. J'ai trouvé que l'histoire était bien ficelée. L'histoire est plutôt sympathique et tout. C'est juste que j'ai trouvé qu'il y a certaines révélations qui venaient un peu tard. Genre, il y a des questions que tu te poses par rapport à des personnages, etc. Et t'as les réponses vraiment à la toute fin, quoi. Maintenant, c'est sans doute fait exprès. C'est pour tenir en haleine jusqu'au bout. Mais par exemple, j'ai trouvé que ça passait mieux dans le concours du Père Noël que ici. Si tu touches au bonhomme, ça va aller mal. Hein. Et tu le laisses tranquille, lui aussi. Hein. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré les dessins. Je t'avoue que dans tous les jeunesses, c'est celui qui me hypait le plus, c'est celui-ci. Donc voilà, j'ai bien aimé, je lui ai mis 3,5 étoiles sur 5. Voilà, voilà. Alors, ensuite, hier, j'ai terminé La magie de Noël. Celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et aujourd'hui, j'ai lu Le Reine mystérieux. Voilà, donc celui-ci, je l'ai lu en 2 fois. Et celui-là, je l'ai lu aujourd'hui en entier. Voilà, voilà. Donc, pour les histoires... Attends, parce que j'ai tout un bordel autour de moi. C'est quand même pas possible. Ici, on est dans un petit village qui se trouve, je ne sais pas, en Finlande... Enfin, voilà, dans le Nord. Hein. Voilà, c'est Jutlandmok. Et à Jutlandmok, on fait vraiment la magie, tu vois. Enfin, je veux dire, la magie de Noël, elle est là. Et dès le 1er décembre, il y a des rituels qui sont posés, des traditions qui sont là, à respecter avec un calendrier où, à telle date, on fait un festival de bois sculpté. On va faire aussi un festival de chocolat chaud, etc. Enfin, bref, c'est vraiment la magie de Noël qui tape en son plein, sauf que le 1er décembre, il est censé, il est censé commencer à neiger et là, il neige pas. Il neige pas et les enfants, eux, sont inquiets, mais les adultes n'ont pas l'air du tout tracassés. Et au fur et à mesure des jours, ils vont constater que il y a un petit problème. Il y a par exemple, la dame qui fait normalement des bons clips. Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est Cerise. Elle fait des bons pains au raisin et voilà, le roulé à la cannelle. Eh bien, cette année, ils vont être ratés. Tu vois, toutes des choses comme ça. Et il y a le père Joël qui, lui, s'occupe en fait de toutes les festivités, qui tombe malade. Voilà, donc tout ça alerte les enfants. Ils sont persuadés qu'il y a quelqu'un qui veut gâcher Noël cette année. Et donc, eh bien, ils vont commencer à enquêter et ensuite, ils vont essayer de rétablir la magie de Noël avant le 24. J'ai kiffé celui-ci. Celui-ci, il est vraiment génial. En plus, il y a un des personnages, la petite blonde là, alors comment elle s'appelle, Cléo, elle a des expressions qui m'ont fait mourir de rire. Il y a de l'humour, il y a de la belle magie de Noël. Enfin, je veux dire, tu as un renne qui est facteur, toutes des choses comme ça. Enfin, moi, j'ai kiffé. Franchement, celui-ci, je l'ai adoré. Je te le conseille vraiment. Bon, je suppose qu'ils seront encore en vente l'année prochaine puisque j'ai retrouvé cette année ceux de l'année passée. Donc, et tu vois, tu as toujours des jolies petites illustrations comme ça qui viennent se mettre dedans. Enfin voilà, celui-ci, pour le moment, c'est un de mes préférés dans les romans enfants, je vais dire. Hein. Celui-là, c'est vraiment pour les tout petits. Et ensuite, j'ai lu Le Reine mystérieux. Alors là aussi, c'est de Natacha Godeau et Tristan Gion. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas aimé que ce soit écrit à la première personne et qu'on suive Elliot parce que ça m'a plus qu'agacé. Enfin, je sais pas pourquoi. Elliot, il s'est mis en tête d'impressionner à fond sa cousine. Et alors, il veut paraître pour un héros, etc. Et c'est un côté qui m'a vachement énervée parce que, je veux dire, c'est la famille, quoi. Je veux dire, t'as pas à vouloir paraître ci ou là devant ta famille. Je veux dire, ils ont tous les deux quelque chose de particulier. Lui, il habite je ne sais pas où, mais on va dire que c'est aussi dans le Nord où il a un élevage de rennes avec son père. Et elle vit avec ses parents en Afrique où eux, ils ont une réserve aussi avec des animaux sauvages. Donc, on peut dire que chacun a quelque chose sur lequel il peut frimer. Donc, c'est pas la peine d'essayer de savoir, j'ai envie de dire, qui est la plus grosse, quoi. Tu vois, et de vouloir paraître le héros devant sa cousine, etc. Puisqu'il a envie de l'impressionner. À un moment donné, au tout début, il dit, elle m'a souri, j'ai rougi. Je dis, oh mec, c'est ta cousine, on va y aller mollo, quoi, tu vois. Bref, c'est ça qui m'a un peu gênée, c'est le côté un peu ce côté-là d'Eliot. Mais à part ça, l'histoire était aussi vraiment sympa, tapée de cette magie de Noël. Donc ici, ils vont trouver un renne qui semble être un renne sauvage, mais pas vraiment parce qu'il se laisse vraiment attrapé par les humains, etc. Lui, il est déblessé et il y a quelque chose de vraiment particulier autour de ce renne. Il scintille, Elliot le voit même un peu se voler et sa cousine ne le croit pas d'ailleurs quand il lui dit « je l'ai vu voler ». Et il y a un nouveau habitant en ville qui justement cherche son animal de compagnie qu'on lui a volé. Bon, tu fais vite le rapprochement, hein. Je veux dire, c'est assez facile de comprendre qui est ce petit vieux barbu, que le renne, c'est le sien. Enfin, voilà, je veux dire, tout ça, c'est vraiment... ça se sent, mais on essaye de te faire croire que... Mais ça se sent quand même depuis le début, tu vois, je veux dire. Et il y a une espèce de petit farfadet qui veut gâcher Noël avec son grelot. Voilà, je vais pas t'en dire plus, mais là aussi, c'est des enfants qui vont essayer de sauver Noël, de ne pas laisser ce lutin gâcher la fête avec sa mauvaise humeur, et ils vont essayer de faire gagner l'esprit de Noël. J'ai beaucoup aimé la magie qui entourait l'histoire. C'était vraiment intéressant, bon, d'avoir ce renne qui est forcément un renne du Père Noël, d'avoir l'histoire de ce petit farfadet, ou de lutin, appelle-le comme tu veux. Enfin, voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça, sauf que voilà, j'ai un peu moins aimé que ce soit une narration à la première personne. Je trouvais qu'il voulait faire le héros, là, Elliot, devant sa cousine, c'était un peu gênant, je veux dire. Le découpage aussi en jours, mais ça c'est un petit peu par rapport à tous. Parfois, t'es là, t'as une action qui se passe, ça s'arrête, et on va te dire, ah bah oui, mais hier, il s'était passé ça, tu vois. Alors que toi, tu te dis que t'aimerais bien que ça continue, et qu'on reste sur le fait accompli, et pas que ce soit quelque chose qu'on te raconte par la suite. Mais c'est quelque chose qui est très commun dans ce genre de récit, parce que forcément, il faut avoir un style d'écriture qui te permette une découpe à la journée. Donc voilà, c'est peut-être un peu ce que j'aime un peu moins avec les romans de l'avant, c'est ces côtés un peu découpe qui fait que parfois, il va se passer un truc et tu vas seulement découvrir quoi le lendemain en disant, ah en fait, il s'est passé ça. Mais c'est pas sur le vif, quoi. C'est pas spontané, c'est quelque chose qu'on te raconte après que ça se soit passé. Donc voilà, écoute, je vais faire mes deux petites entrées pour ces deux livres-ci. Ensuite, je dois faire deux entrées pour les deux BD que j'ai lus. Je pense que je vais m'arrêter là pour 2023. Parce que... elle en est du... Raya, qu'est-ce que j'ai dit? Elle est encore en train de bouffer de la merde. Dieu. Dès que je laisse un morceau de papier tomber à terre, c'est comme s'il était écrit, c'est pour Raya. Non, je suis pas contente. T'es vraiment sciente, là. Voilà, donc comme je disais, j'ai encore deux BD à faire en entrée. Ça va être des pages où il n'y aura pas beaucoup d'écriture, en fait, et où je pense que je vais coller des petites planches de la BD que j'aime bien, parce que les BD, je vois pas beaucoup ce que j'ai à dire dessus. En dire 2-3 mots, mais en faire une page, c'est pas possible, quoi. Donc, je vais faire ça. Et ensuite, je vais clôturer mon année et je ferai la page 2024 avec les spreads de l'année 2024. Et ensuite, je commencerai janvier. Et à côté de ça, j'ai aussi mon bullet journal à commencer parce que je l'ai toujours pas fait. Donc, est-ce que j'ai du boulot là en fin d'année? Oui. Est-ce que j'aurai le temps de faire tout ça? Ça, on ne sait pas. Mais voilà, bon, je vais déjà faire ça. Donc, je te laisse pour aujourd'hui et je te dis à demain. Même quand on fait de la merde, hein, n'est-ce pas? Donc, j'étais en train de te montrer que j'avais acheté le numéro 1 du crochet Disney avec les petites pelotes qui étaient offertes. Tu avais ici tous les fascicules pour t'abonner avec, si tu es en France, évidemment. Donc, pour tous les Belges qui me regardent, cette collection n'est pas disponible en Belgique. Si je l'ai, c'est tout simplement parce que je suis près de la frontière et que je peux me permettre d'aller la chercher pas toutes les semaines, mais en tout cas, la libraire où je vais me garde les numéros et quand j'y vais, je les prends d'un coup. Voilà, j'y vais à peu près 1 à 2 fois par mois. Donc voilà, donc pour le moment, pour la Belgique, c'est pas open. Il faut compter à peu près 1 an pour que ça arrive en Belgique. Voilà. Mais donc, je montrais un petit peu ce qu'il y avait pour s'abonner. Le numéro 2, il est à 4,99 €. Et à partir du numéro 3, je pense que c'est 6,99 €. Voilà. Et je commençais à regarder avec vous le petit manuel. Donc, ça fonctionne un petit peu sur le même principe que le point de croix Disney Hachette. Hein. Donc, on est sur une collection avec des petits fascicules où vous avez des petits projets ici en crochet. Et vous avez un projet fil rouge, je vais dire, comme les petits tableaux que vous faites avec le point de croix. Ici, c'est de faire un plaid. Et là, c'est le premier carré qu'on va faire dans ce numéro. Donc, voilà. La collection est complète en 130 numéros. Il y a 100 numéros pour faire le plaid. Et ensuite, il y a 30 numéros pour faire un ou plusieurs coussins. Ça, je ne sais pas. On verra bien. Mais en attendant, ici, tu as toutes les explications pour faire le numéro 1. Bon, avec les points qui sont expliqués, tout ça. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre encore le langage du crochet, mais ça va venir. Voilà. Ici, ils ont mis le livre de la jungle, des porte-plantes suspendues, des explications pour faire de la maille serrée. Là, idée cadeau, c'est une couverture pour bébé. Avec, regarde-moi ça, pour ça, là. Voilà, là, on t'apprend à faire. Ça, je sais faire. Le nœud coulant, ça, je sais faire. La maille chaînette, je sais la faire aussi. Et là, tu as une guirlande Mickey, donc pour faire des petits Mickey comme ça. Donc, bah, si tu as réussi à faire le Mickey pour le plaid, bah, je suppose que ça ira tout seul. Mais c'est mignon, c'est mignon. Ensuite, on a une maille coulée. Voilà, la maille coulée, l'anneau de base, la maille finale. Et là, on te montre ce que tu vas avoir dans les prochains. Donc, il y a un sac aurore, il y a une écharpe la Reine des Neiges, un bandeau et un bonnet d'enfant Toy Story. Bah, d'enfant, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour les adultes? Enfin, voyons. Et là, ça, c'est le numéro 2. Le numéro 2, on aura donc une espèce de tote bag, peut-être un châle. Et des techniques de crochet, évidemment. Ah, je vois aussi peut-être faire des ears, comme tu peux voir là. Et ça, ce sera le numéro 2. Bah oui, car il y a des ears qui sont là. Avec le nouveau carré qu'on va faire, qui est là. Ouais, ouais. Elle est belle, hein, cette couette. Hein. Moi, j'ai vraiment envie de... Donc, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Maintenant, est-ce que je vais oser? Moi, je pense que je vais prendre des cours de crochet avec ma mère. Je pense, parce que je ne vois pas avec qui je pourrais prendre des cours de crochet autre que ma mère. Parce que moi, j'ai du mal. Quand je regarde des vidéos sur YouTube, j'ai extrêmement du mal. Je sais que Kimi a déjà essayé de me montrer via Internet, mais ça marche pas. Voilà, la technique, ça va pas. Parce que moi, en fait, j'ai un problème de positionnement de mes doigts. C'est vraiment... voilà, mes doigts font ce qu'ils veulent, tu vois. Donc, résultat, ils suivent pas le mouvement. Parfois, c'est trop serré. Parfois, c'est pas assez. Et quand il faut faire une maille, enfin, une bride, là, c'est la catastrophe. Enfin, voilà. Je suis très contente de l'avoir. Je pensais que ça allait sortir plus tôt puisque moi, ça fait quand même pas mal de temps que je ziote cette sortie. Il faut savoir que je regarde un petit peu ce qui se fait dans les autres pays au niveau de Hachette. Et je savais qu'il y avait cette collection crochet qui était sortie. Alors, je ne sais pas si c'est les US ou les UK, mais je savais qu'elle était sortie et je savais qu'elle allait forcément arriver. J'avais demandé à Hachette voir des informations. Ils ne m'en ont donné aucune. Et... pour finir, ben voilà, je me suis dit peut-être qu'elle va sortir. Moi, je pensais qu'elle sortirait au mois de janvier de cette année. Elle n'est pas sortie au mois de janvier. Donc voilà, quand elle est arrivée là, ici, ben c'était ou alors c'était en septembre, je sais plus. En fait, je pensais que ça allait être septembre ou janvier. Et puis bon, ben voilà, ça a été un petit peu retardé. Donc tous ceux qui m'ont envoyé par DM, regarde Jess, Jess savait. Voilà, il faut bien vous dire, pour ce genre de choses, je sais. C'est comme il y a une collection... Là, c'est dans la cuisine, mais je sais, c'est Eagleton qui fait ça. Ils l'ont fait 2 fois. Elle est sortie 2 fois en UK. Ici, ils ont sorti une version qui n'était pas Disney. Moi, j'ai eu la majorité des exemplaires, mais pas tous, parce que je m'y suis pris trop tard. C'était une collection de petits fascicules pour la pâtisserie où tu avais le matériel qui t'était offert. Chaque fois, tu avais des petits moules pour faire des financiers, etc. etc. Moi, j'ai acheté pas mal de choses et je t'avoue que je me sers pas mal des moules. Ça, c'est certain. C'est donc pas un achat totalement inutile, même si les fascicules, je les ai pas regardés beaucoup pour faire des recettes, j'avoue. Mais en tout cas... Eagleton a fait la même chose en Angleterre avec une collection Disney où tu avais des moules Disney, des recettes pour faire des gâteaux Disney, etc. Ça fait, je ne te mens pas, à peu près plus de 5 ans que j'attends que cette collection sorte ici. Je pense que je dois me faire une raison parce qu'elle ne sortira pas. Mais donc le jour où tu vois ça, qui sort en France, oui, là préviens-moi parce que c'est quelque chose que je veux avoir, clairement. C'est une collection, c'est chez Eagleton, c'est une collection, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, c'est avec des ustensiles de cuisine Mickey. J'attends qu'ils fassent ça ici, mais voilà, je désespère parce qu'ils l'ont déjà sorti 2 fois en UK et ici, ça ne vient pas. Donc ici, je désespérais un petit peu de le voir arriver aussi. Et maintenant, il est là. Donc maintenant, en fait, je n'ai plus d'excuses pour ne pas faire de crochet. Je n'ai aucune excuse. J'ai aussi une collection de... dentelle au crochet, mais que je ne tente pas parce que, ben, je te dis, j'ai vraiment du problème à essayer avec mes mains et tout. Ça va vraiment pas et ça a le don de vite m'agacer quand ça marche pas comme je veux que ça marche. Mais bon, bref, il va falloir que je me calme un petit peu, on va dire, et que, ben, que j'espère de faire ça le plus vite... Enfin, je m'y mette le plus vite possible en essayant d'être calme. Et en essayant de m'appliquer, tout simplement. Mais je pense que je vais aller voir ça avec ma mère. Voilà. Allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. On est toujours jeudi et j'ai décidé d'ouvrir avec toi les dernières pochettes qu'il me reste. Voilà, attends, je fais comme je peux pour que tu vois bien. Voilà. Donc, pochette numéro 1. Ta-ta-ta. Qui est-ce qu'on a? Ah, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, doublon. Par contre, elle, je ne l'ai pas. Et elle, je pense que je l'ai déjà. Je vérifierai après, on vérifiera les doublons ensemble. Mais en tout cas, je n'ai pas Mirabelle, ça c'est sûr. Alors, ensuite... Ah, je ne l'ai pas. C'est Gideon. Lord Gideon. Ah, lui, je l'ai déjà. Ah, purée. T'imagines, sur 2 paquets de 3, j'ai la moitié bon et la moitié pas bon. Donc là, on a Ursula. Il va m'en falloir des paquets. Moi, je pensais, tu vois, qu'en acheter peut-être 40, ce serait suffisant. Je n'ai pas l'impression. Surtout que le Storm, là, je l'ai déjà 2 fois. Attends, parce qu'il y a un... Celui-là, je vais l'ouvrir sur le côté. Voilà. Alors, on a Alice, je l'ai déjà. Ça, je pense que je ne l'ai pas. Et Ray, je l'ai déjà. Purée, c'est pas possible. C'est super agaçant, je te jure. Alors, voyons un petit peu. Donc, Scar, la reine. Jafar, le capitaine Crochet. Donc, oh, il y a un machin qui a été un peu abîmé. Donc, on va rajouter Ursula là. Alice, les Aris... Enfin, non, les 100 Dalmatiens. Simba. Donald, plutôt Dumbo, Ariel, Aurore, Réponse, Belle. Là, je vais mettre Mirabelle. Ensuite, on a Monsieur Indestructible. J'ai celui-là, je ne sais pas qui c'est, ça doit être un commandant. Je vérifie. Hein. Mais celui-là, je suis sûre de ne pas l'avoir. Non, c'est pas le Mandalorien. Voilà, Ré. Ces 3 PO, donc ces 2-là, je les mets là. Et j'ai rien en Marvel de nouveau. Voilà, et comme tu vas voir, ceux-là vont aller... Je vais te montrer le nombre que j'en ai de... Voilà, ça, c'est mes doublons. Bientôt, je vais avoir plus de doublons que de trucs bons, en fait. Ça continue comme ça. Et je fais tout tomber autour de moi. C'est magnifique. Donc, regarde. Allez, celui-là, je l'ai 2 fois. Ça, c'est Kylo Ren. La reine, le capitaine Crochet, Alice. Et je viens d'ouvrir les 3 paquets qui me restent. J'ai encore la moitié de doublons. Voilà, et tout ça, c'est des doublons plus 2 que Jérémy m'a pris. T'as ouvert tout ça? J'ai ouvert les 3 paquets qui me restaient. Ça, c'est tous mes doublons en tout. Ah, tous les doublons. Et les autres sont où, les autres trucs? Ils sont là, dans la... Putain, t'en as beaucoup de doublons. Bah oui, j'en ai beaucoup. Surtout qu'il y en a un que j'ai 2 fois. Celui-là. Faut pas les revendre. Bah, faudra voir si Audrey et Marie les auront. Mais vu le nombre de fois qu'ils reviennent... Enfin, voilà. Bon, bref. Hein, et on va faire un petit quelque chose ensemble. Voilà, j'avais pris ça sur la Maison du Canevas. Et j'ai bien envie d'en faire un. Je vais faire le petit casse-noisette, là. Donc, tu vois qu'il y en a d'autres. Honnêtement, j'aimerais bien voir ces 2-là. Mais je ne les ai pas vus sur la Maison du Canevas. Donc, je ne pense pas qu'ils vont l'avoir. Et les commander chez Craft Buddy, ça coûte beaucoup trop cher. Alors, je sors ce qu'il y a dans le petit sachet. On a le support en bois. On a évidemment un toolkit. La seule chose, je garde le stylet, les petits sachets, parce que ça, c'est toujours intéressant. La cire, même si je m'en sers pas, ça peut aller à la poubelle. On a donc le petit... Attends, je vais te mettre plus bas. Voilà. Le petit casse-noisette. Et ensuite, on a ceci. Alors bon, c'est des diamants que je ne garde pas. Quoi qu'il arrive, tout simplement parce qu'il n'y a pas de numéro dessus. Donc, même si j'avais envie de les garder, je ne pourrais pas parce qu'il n'y a pas de numéro DMC. Voilà les couleurs. Alors moi je vais commencer par le noir, c'est le B. Puis il y a le Z aussi. Le Z, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Donc, je pense que je vais devoir tout retirer. Je vais commencer par le Z plutôt. Voilà, et je vais le faire en accéléré parce que je pense que ce sera plus mieux. Allez, à tout de suite. Cracker. Alors, je pense que je vais... Est-ce que je le mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Comme ça. Voilà. J'ai tellement mis ces musiques au mois de décembre pour faire le calendrier de l'Avent. Je commence à connaître par cœur le Nutcracker. Hein. Voilà. Oh, il est vraiment très joli. Je l'aime bien. Je vais le laisser sur ma petite table. Ça fait ma petite déco. Voilà, voilà. Bon, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Là, je ne sais même pas quelle heure il est. Mais je vais me mettre dans mon canapé. Peut-être lire. Parce que j'aimerais bien vraiment finir mes calendriers de l'Avent avant décembre. Enfin, avant la fin du mois. Et donc, du coup, il me reste quand même 4 encore à lire. Donc, ce serait bien que je mette un petit coup de pied là-dedans. Voilà, voilà. Bisous, bisous. Hello YouTube. On est vendredi. J'ai reçu des petits colis et je voulais les ouvrir avec toi. Ah, c'est un cadeau. Ah, un cadeau. Oh. Ah, mais c'est Audrey. Ma copine Audrey. Son cadeau devait arriver après le 1er janvier. Elle m'avait prévenue. Bah, il a un petit peu d'avance. Bon anniversaire de Audrey. Et Audrey m'a pris le petit livre de Margaret Rogerson, Mysteries at Thorn Manor. Il faut savoir que j'ai lu le tome 1, enfin voilà, le premier livre qui est je ne sais plus quel titre, mais que j'avais beaucoup aimé. Et donc voilà, elle m'a offert la suite. Merci ma petite Audrey, je ne m'attendais pas à le recevoir aujourd'hui du coup. Mais merci, 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 merci. Voilà, je vais mettre le petit mot dans le livre. Comme ça, je ne le perds pas. Ensuite... Ensuite, j'ai reçu des colis de chez Blackwell parce que j'avais commandé des livres qui étaient plus dispo sur Amazon et que j'avais vraiment envie d'avoir dans une certaine édition. Voilà, notamment celui-ci. C'est Cassandra Clare et Wesley Shu. C'est The Eldest Curses, Book 1, The Red Scrolls of Magic. On est toujours dans l'univers des Shadowhunters, voilà, je sais plus du tout dans quel ordre on est. Je t'avoue que avec elle, là, je ne fais que rattraper. C'est-à-dire que je vois que les bouquins, ça défile, ça défile, ça défile, et je ne fais que rattraper pour essayer de ne pas avoir trop de retard et avoir tous les livres en hardback, parce que moi, j'ai commencé la collection en hardback. Non, j'ai commencé faux, c'est faux. Je ne vais pas mentir, j'ai commencé la collection en paperback. Voilà, j'ai un coffret avec les 6 premiers, qui est en paperback, et ensuite j'ai tout le hardback, et ça m'ennuie tellement de ne pas avoir les 6 premiers en hardback que je tiens à avoir les autres en hardback. Voilà. Moi j'adore le hardback, hein, faut le savoir. Mais je ne prends pas le hardback pour tous les livres. Il y a des livres où je me contente du paperback. Et le deuxième, alors celui-ci, je le voulais vraiment en hardback parce que j'ai le premier en hardback en plus. C'est Cursed de Marissa Meyer. Alors j'ai toujours pas lu Gilded. Hein. Je n'ai lu aucun livre de Marissa Meyer. Si. Marissa Meyer, c'est laquelle déjà? Marissa Meyer, c'est celle qui a fait les Chroniques Lunaires. J'ai lu les Chroniques Lunaires, le premier. Uniquement le premier en français. Et ensuite est venue la lubie de l'anglais. Donc j'ai voulu avoir les tomes en anglais, puisque, hein, en hardback évidemment. Je les ai achetés et puis j'ai trouvé que c'était un peu ardu à lire en anglais. Donc je me suis dit, on va les laisser pour plus tard. Je me gratte, hein. Oui, ça me gratte derrière l'oreille. Mais donc voilà, j'ai enfin Cursed, puisque impossible de le trouver sur Amazon en hardback, il n'était plus qu'en paperback et non, j'ai le premier, attends. Oh. Voilà. Donc ça, c'est les petites réceptions du jour. Je remercie encore ma copine Audrey pour son cadeau. Je vais aller lui envoyer un petit message d'ailleurs sur Messenger pour lui dire merci. J'ai plus de voix. Pourtant, j'ai pas forcé ni rien du tout, donc je comprends pas pourquoi j'ai plus de voix, mais la vérité est là. J'ai perdu ma voix. C'est peut-être à cause du Fanta, qui sait. Un de ces quatre, je vais demander à Fanta de sponsoriser mes vidéos, moi. Quand même. Hein. Enfin voilà, alors, on est le 29. J'ai commencé ma bûche. Oui. J'ai commencé la bûche, j'ai fait la crème. Cette fois-ci, j'ai commencé par la crème parce que l'autre fois, j'avais commencé par le biscuit et je pense que c'était une erreur puisque la crème a besoin de 3 heures de repos. Donc, là, j'ai 3 heures de tranquillité devant moi. Ensuite, je vais devoir aller faire mon biscuit roulé, attendre qu'il refroidisse, mettre la crème dedans, bien l'emballer et c'est fini pour aujourd'hui. Voilà. C'est une bûche qui est divisée en 3 étapes, comme ça, tu vois, tu fais une étape 48 heures avant, une étape 24 heures avant et une étape le jour même. Voilà, il faut pour faire cette bûche, c'est obligatoire, c'est comme ça. Voilà, donc concrètement, je vais avancer dans mes belettes et compagnie parce que j'ai du retard, on est le 29, il me reste 3 jours pour mettre en place toutes mes pages. Je vais sans doute te prendre avec cette caméra, enfin, cette caméra, ce dispositif-ci, c'est-à-dire qu'on va déménager sur mon poste de travail là-bas, tout simplement parce que je n'aime pas faire du bulleting, là, du journaling ici. Ça ne me convient pas. Donc, je préfère faire mon journaling là-bas. Donc, j'ai rangé correctement mon bureau hier pour que j'ai plus de place et pouvoir m'étendre comme je veux. Donc, on va faire ça. Première étape, je vais aller chercher les images dont j'ai besoin. Alors ça c'est chiant, c'est que ici j'ai pas de télécommande, non mais je ne sais plus parler moi. Je n'ai pas d'imprimante ici, donc je dois aller imprimer tout dans mon bureau. Je dois aussi commander un cadre pour mettre le diamond painting, il faudrait que j'y pense pour pas qu'il traîne et qu'il s'abîme. Mais donc les images, il faut que j'aille les imprimer là-bas. Parce que l'imprimante, elle est là-bas. Et en plus, j'ai ma petite imprimante, enfin, photo, qui est là-bas aussi, parce qu'elle est branchée à Internet là-bas. Et comme je n'ai pas encore compris comment je pouvais changer mon Internet pour mettre mon Internet d'ici, eh ben, je vais là-bas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Voilà. Et cette mèche m'ennuie. Faut savoir hein, qu'elle était bien dans le bon sens ce matin, que je l'ai lissée pour qu'elle arrive là, mais entre-temps, je suis sortie. J'ai été promener Raya sous la pluie et voilà ce que ça donne. Hein, voilà. Ça, c'est le résultat de la pluie sans mes cheveux. Bonjour la pluie. Et demain, rebelote, on est levé super tôt parce qu'on doit aller à Givet chercher les courses. Voilà. Mais je pense qu'il y aura moins de courses que la semaine passée. Là, grosso modo, je suis allée encore faire mes courses au Colruyt ici pour aller chercher ce qui me manquait, notamment des œufs et compagnie, parce que Jérémy il avait pris une boîte de 6 œufs, mais moi, ta boîte de 6 œufs, je vais te la dégommer en 2 secondes avec ma meringue. Là. Donc, j'ai été rechercher des œufs, du beurre, enfin des petites courses dont j'avais besoin pour faire ma bûche et pour le réveillon. C'est la première fois que je ressors de chez Colruyt avec une facture de 20 €. Voilà, c'est pour te dire comme j'avais bien anticipé la semaine passée et comme j'ai assez pour les... Voilà, donc il y aura demain où la facture sera peut-être un peu plus salée, parce que bah, y a les fruits de mer, évidemment, ça, il n'y en a plus. Hein. On les a mangés. Oui, ça t'énerve hein, que je fasse ça, mais moi, ça m'énerve qu'elle tourne comme ça. Donc, j'ai envie de te dire, l'un dans l'autre, on est toutes les deux énervées, hein, ou tous les deux, hein, je ne sais pas si tu me regardes et qui tu es derrière, donc voilà. Voilà, voilà. Bon, je range tout ça. Je vais faire mes photocopies. Hello les amis, on est samedi, le 30. J'ai pas mon truc pour tenir la caméra, donc je suis à bout de bras. On est en promenade. Moi, je suis réveillée depuis, 7h ce matin. On a été faire les courses avec mon père ce matin à Givet. J'ai pu prendre le numéro 2 du crochet. Et j'avais un truc à vous dire, je sais pas trop comment annonce, enfin, mais on va parler des gens sur TikTok. Attends, parce que, rassure-moi, le but de TikTok, c'est bien de regarder des vidéos. De regarder, donc, avec tes yeux et d'écouter avec tes oreilles, je pense. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens sur TikTok, je sais pas ce qu'ils font, mais ils ne regardent pas et ils n'écoutent pas. Je vais te donner deux exemples concrets, et c'est sur des vidéos qui ont un peu buzzé. Moi, c'est des vidéos qui arrivent à 10K assez rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, la vidéo que j'ai faite pour dire que je lisais le livre Fantôme Manor, elle a fait 21,7K. Voilà. Alors que j'ai des vidéos où je pensais qu'elle allait buzzer, elles n'ont même pas fait 1000 vues. Mais bon, passons. Je n'essaye pas de comprendre les mystères de l'algorithme de TikTok. Sur cette vidéo, donc, je montrais la lecture que j'étais en train de faire avec la musique du Fantôme Manor. Et à la fin, je monte la couverture, le titre, et en plus, dans la zone de commentaires, là où, enfin, la zone d'information, je remets les informations du livre avec le titre, le nom de l'auteur, etc. Et que on peut le trouver que sur Amazon. Je pense que je l'avais mis. Bref, comme d'habitude, sachant que je n'aime pas de me répéter, j'essaye de mettre le plus d'informations possible pour éviter les questions où je vais devoir me répéter. Puisqu'en général, quand on me pose des questions, les gens en plus ne lisent pas les commentaires des autres et reposent leurs questions. Hein, et ça, c'est des trucs qui, moi, ça m'énerve, comme dirait l'autre. Et sur cette vidéo, j'ai eu plein de gens qui m'ont posé la question « Mais c'est quoi le titre du livre ?» Alors que c'est écrit... Et tu vois la couverture. Voilà. Bon, ça passe encore. Mais alors, hier, avant-hier plutôt, je poste la vidéo sur le crochet. J'explique tout. J'explique le truc Hachette. Évidemment, t'en as toujours qui viennent te mettre « Ces collections, elles coûtent trop cher !» Je dis ben, « On sait, mais chacun fait ce qu'il veut. »« Oui, mais c'est pour prévenir !» Mais je crois que depuis le temps que ces collections Hachette... sont là, je crois que tout le monde sait que ça revient effectivement très cher. Hein. Est-ce que c'était la peine de le dire? J'en sais rien, mais bon, c'était pas ça le... Ce qui m'a profondément agacé, c'est que dans cette vidéo, je précise, parce que bon, je suis belge et que je sais qu'il y a des Belges qui sont dans mon audience, même si majoritairement je suis suivie par la France, je sais que pour les Belges, il y en a qui vont se rendre au kiosque de presse pour aller voir après cette collection. Et donc, je précise bien que pour le moment, cette collection n'est disponible qu'en France, qu'elle n'est pas disponible pour la Belgique et qu'il va falloir encore attendre, je pense, 1 an, comme ça a été pour le Point de Croix. Enfin bref, je précise, je le mets, je le répète, et je dis en plus que moi, j'ai la chance en tant que Belge de vivre à côté de la frontière française et que donc, je vais chercher en France mes petits fascicules toutes les semaines. Est-ce qu'on ne peut pas plus clair? Je pense qu'on ne peut pas plus clair. Et bien, il y en a quand même une qui m'a dit « C'est dommage pour nous, les Français ». Je comprends pas. Une vidéo, t'es censé l'écouter. Enfin, je veux dire, à la limite, réécoute une deuxième fois. Mais elle est là et il y en a d'autres qui ont suivi. Comment ça? Mais si, moi, je l'ai trouvé, nanani, nanana. Et moi, j'arrive en disant, ben oui, mais je l'ai dit dans la vidéo. Ah ben, autant pour moi, merci, désolé. Bah oui, mais bon. Enfin, voilà. D'où ma question sur mes vidéos qui buzzent, parce que sur les autres vidéos, je veux dire, c'est ma communauté normale qui commente et je n'ai jamais ce type de commentaires. Je veux dire, est-ce que les gens sur TikTok sont là pour regarder et écouter des vidéos ou c'est juste pour le plaisir de faire aller le pouce? Tu vois, en swipant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que sur ces vidéos-là qui buzzent, je vais éviter d'aller... trop regarder les commentaires parce que c'est un peu affligeant en fait. Voilà, chaque fois les questions, des trucs que j'ai déjà dit, des trucs que j'ai montrés, des gens que quand tu leur réponds en leur disant mais c'est dans la vidéo, te répondent ah ben quand j'avais pas vu, avec le livre là, je dis mais on le voit en fin de vidéo et je dis c'est dans les commentaires, c'est dans la barre d'infos, comme si on lisait la barre d'infos, ben je dis bah oui elle est là pour ça quoi. Enfin voilà, je trouve que les commentaires, quand je réponds en disant à ces gens, à part hier la fille a été plutôt sympathique et m'a dit bah oui effectivement que c'était elle qui avait... Hein, mais d'habitude, les gens sont hyper sur la défensive en disant ben oui, mais après tout, hein, voilà, si j'ai pas envie de regarder la barre d'infos, c'est mon droit. Bah oui, bah, alors pose pas la question. Alors. Enfin bref, voilà, c'était la petite réflexion du jour. Je comprends pas. Bon, il y en a une autre hein, que je comprends pas comme ça, qui est en train de me tarauder et qui est en train de m'énerver profondément. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que pour 2024, les gens arrêtent de faire ça. C'est les gens qui pensent qu'il y a des trucs qui sont faits que pour les enfants. Tu vois? Je veux dire, c'est le genre de truc... Moi, En fait, tu vois, j'ai envie de monter au créneau, quand j'entends les gens dire ça, comme un boxeur qui est prêt à rentrer sur le rythme. C'est-à-dire que je suis en forme, avec mes points qui sont prêts, et je suis prête à en découdre, tu vois? Parce que que pour les enfants, j'en ai marre. Et là, j'ai vu des choses ces derniers jours qui m'ont tellement agacée avec ça, qu'il fallait que je t'en parle. Voilà, c'est la phrase à bannir du langage. Voilà, c'est pas parce que tu as des enfants que ça te donne des droits et des privilèges sur ceux qui n'en ont pas. Il faut arrêter de penser que parce que tu as des gosses, tu as une espèce de privilège dans la société, comme si tu élevais le prochain messie, là. Tu vois, non, 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 c'est pas le cas. Donc, on va se calmer, hein. Et je vais te donner des exemples. Déjà, tu vas à Disney. Déjà, il y a beaucoup de gens qui te disent « Oui, mais c'est pour les enfants ». Non, c'est pas pour les enfants. C'est pour les gens qui aiment Disney, c'est pour les gens qui ont la magie en eux, etc. Si toi, tu l'as perdu en grandissant, ben, j'ai envie de te dire, tant pis, essaye de récupérer ta petite étoile, ta petite étincelle, mais viens pas faire chier ceux qui l'ont encore. Quand tu vas au meeting des personnages, c'est « oui, mais c'est pour les enfants !» Mais non, c'est pas pour les enfants non plus, mais enfin voilà. Mais alors, visiblement, il y en a qui ont décrété, là, que Noël, c'était avant tout pour les enfants. J'aimerais bien savoir d'où ça sort. Vraiment, j'aimerais bien comprendre et j'aimerais bien savoir d'où ça sort que Noël, c'est avant tout pour les enfants. Enfin, les gens, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est quand même pas mal dans la communauté des adultes à attendre Noël, tout simplement parce que c'est une période magique, que c'est une période où on est rassemblés en famille, que la famille, ça compte, qu'il y ait des enfants ou pas, tu vois ? Enfin, voilà, je veux dire, on te dit pas, Noël, c'est pour les enfants. Voilà, le prochain qui me sort un truc pareil, je vous assure, le boxeur, elle est prête, elle est prête, elle est prête. Voilà, comme Raya est en train de muloter. Pareil, avec les mêmes... Voilà, je suis prête. Et tout ça, tiré d'un post que j'ai vu sur TikTok, d'une fille qui expliquait qu'elle ne comprenait pas cette mentalité de dire que dans les métiers où bah forcément tu as besoin d'avoir des gens qui soient là le 24, le 25, le 31 ou le 1er, à un moment donné, les gens qui avaient des enfants étaient tout le temps favorisés par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et je dois dire que c'est quelque chose que je ne comprends pas non plus parce que pour moi, avoir des gosses, ça te donne aucun privilège par rapport à ceux qui n'en ont pas. Je m'explique avant que tu ne t'énerves. Si j'étais dans un milieu hospitalier et que j'ai un tour de garde à faire, soit le 24, le 25, soit le 31, soit le 1er. Ça fait partie du taf, tu le sais. Et donc, je trouve normal de prendre mon tour. Ce que je ne trouve pas normal, c'est de prendre plus que mon tour et que tu viennes me dire, toi qui as des enfants, j'aimerais bien que tu me laisses ta place parce que moi, je dois fêter Noël avec mes enfants. Clairement, je te regarde dans les yeux, regarde là, et je te dirai, va te faire voir. Tout simplement parce que avoir des gosses ne te donne pas un privilège de devoir, toi, plus fêter Noël en famille que moi qui n'en ai pas. Moi aussi, j'ai une famille. Moi aussi, j'ai des parents, je suis leur fille, donc je suis l'enfant de quelqu'un, tu vois. Et ils ont le droit de fêter aussi Noël avec leurs enfants, moi en l'occurrence. Déjà ça. Mais en plus de ça, enfin je veux dire, mes parents, comme tous les parents, ils vieillissent. Hein, et que je vais pas laisser passer un Noël parce que je me dirais peut-être que c'est le dernier, tu vois, enfin je veux dire, je me dis pas encore ça maintenant parce que mes parents ont la soixantaine, mais plus on avance dans le temps, plus clairement chaque fois je vais me stresser à l'idée de me dire c'est peut-être le dernier, on ne sait jamais, enfin voilà. Et forcément, encore une fois, je trouve normal de prendre son tour, de faire comme tout le monde, c'est-à-dire tu as un tour de garde à faire, tu le fais, mais tu n'as pas de privilège à avoir parce que tu as des gosses ou que tu n'en aies pas. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que ceux qui n'en auraient pas devraient trinquer à la place de ceux qui en ont. Enfin, avoir des gosses, c'est un choix, hein, on est d'accord. Moi, j'ai fait le choix de ne pas en avoir. Toi, tu as fait le choix d'en avoir, on est d'accord. Mais tes choix ne peuvent en aucun cas affecter ma vie. Tu vois ce que je veux dire ? Comme mes choix ne peuvent pas affecter ta vie. Comme on dit, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mon credo, tu vois, le truc que j'applique et ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse. Voilà, ça c'est mes credos dans la vie. Ben, moi j'estime que je prends mon tour parce que c'est normal que je le fasse. Encore une fois, tout ça, hypothétiquement, si je travaillais dans un milieu qui nécessite. Hein, voilà. Mais je ne prendrai pas plus que ma part et n'ose pas venir me voir en me disant « Oui, mais toi, tu as des enfants » parce que je te répondrai clairement que le fait que tu aies des enfants n'a pas affecté ma vie à moi. Et donc, bah, voilà, tu as fait le choix d'en avoir. Bah, tu as pris un métier dans lequel tu as des tours de garde et bah, tu assumes. Point barre. Il y a un moment donné, je veux bien, mais je trouve ça un peu... dégueulasse qu'on fasse porter à ceux qui n'ont pas d'enfants le truc de se dire ben toi t'as pas de limite, t'as pas de famille, ben t'as qu'à travailler les jours de fête. Je trouve ça dégueulasse et je trouve ça très égoïste et je trouve ça encore plus égoïste que les gens qui ont des enfants viennent te dire que c'est toi l'égoïste. Non, je suis désolée, mais un peu d'équitabilité pour tout le monde ici. Je vois pas pourquoi est-ce que les gens qui n'ont pas d'enfants n'auraient pas le droit de fêter également les fêtes avec leur famille. Non, voilà, ils ont des neveux, ils ont des nièces, ils ont des parents, ils ont peut-être encore leurs grands-parents, ils ont, voilà, ils ont leur famille, quoi. Alors maintenant, il y en a qui ont envie de laisser leur tour et il y en a qui se disent « Bon, mais moi, de toute façon, je ne fête pas Noël ou ci ou là. » Mais ça, c'est encore le droit de chacun. Mais ne va pas priver quelqu'un en disant que toi, tu as plus le droit que tout ça parce que tu as un enfant. Je suis désolée, mais avoir des gosses, ça vous donne aucun passe-droit. Ça vous donne aucun privilège comme ça. Voilà, moi je suis là pour respecter les choses. Si par exemple je vais à une caisse prioritaire et qu'il y a une femme enceinte, je la laisserai toujours passer devant moi. Je ne me mettrai jamais sur une place pour handicapés. Je ne me mets pas non plus sur les places réservées qui sont là pour les mamans avec des buggy ou des choses comme ça. Je respecte ça, mais j'ai des limites. Et mes limites c'est, je suis désolée, mais tes choix n'ont pas affecté ma vie. C'est comme ça. Voilà, ça va sûrement choquer certains, hein, mais voilà, toujours les mêmes, hein, les gens pour qui considèrent que les enfants, c'est « Oh !» Voilà, le Messie, voilà, c'est comme ils avaient accouché du prochain Messie. Voilà, mais c'est pas le cas, hein. Bref, fallait que ça sorte, fallait que je le dise. Ça fait 2-3 jours que c'est en train de me courir depuis que j'ai vu ces messages qui disaient que « Mais oui, mais après tout, Noël, c'est pour les enfants. » Je vous avoue que j'ai eu envie de sortir les gants de boxe contre les gens qui ont balancé des choses pareilles. Vraiment, ça m'énerve. Bientôt, on va me dire que les jeux de société pour les enfants, c'est réservé pour les enfants. Les livres pour les enfants, c'est réservé pour les enfants. Ben, je vais te dire, moi, je mets des pulls Mickey et Noël, alors que je suis une adulte, hein, alors que c'est pour les enfants. Hein, et en plus de ça, je joue à des jeux de société pour les gosses. Et en plus de ça, je lis des livres pour les enfants. Et je voudrais voir qu'on vienne me dire quelque chose. Non, mais sérieux, quoi. Allez, chacun fait encore ce qu'il veut. Bref, bon, je vais récupérer ma mulotteuse. Je vais essayer d'aller faire une balade. Je dis bien essayer parce que elle est en mode oh là là, on voit plus sa tête. Elle a carrément la tête dans le trou. Donc je vais essayer de récupérer ma mulotteuse, aller faire un petit tour, rentrer, faire mon gâteau parce que oui, j'ai encore ma bûche à faire hein, et avancer dans mes pages. Voilà, parce que j'en ai lu 2 hier. J'ai lu 2 calendriers de l'Avent. Techniquement, il en reste 2 à lire. Je vais encore essayer d'en lire 1 avant la fin de l'année et je pense que ma lecture du livre de Sophie Jomard sera la première de 2024 parce que je pense pas que j'arriverai à lire 2 livres de l'Avent d'ici demain soir. Ça me semble pas possible, concrètement. Maintenant, on verra. Mais voilà, j'ai pas envie de mettre des trucs, voilà, de mettre un stress avec ça, de me dire oui, il faut absolument que je lise, il faut absolument que j'ai fini avant. Moi, il y aura un petit trou sur la page des calendriers de l'Avent, c'est pas grave, je mettrai un... un stickard, c'est plus voilà. Et puis je pense que le livre de Sophie Jomard nécessite plus que 4 pages, enfin 4 lignes de petites... Donc je préfère... Ouais, ce serait peut-être mieux. On verra. Bon, allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Hello, on est toujours samedi et j'ai reçu mon colis post-Noël. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'idée du colis post-Noël, c'est moi qui me fais une petite commande avec des trucs que j'aurais bien aimé avoir, que j'ai pas eu. Voilà, ça veut pas dire que j'aime pas ce que j'ai eu. Ça veut juste dire que j'aurais bien aimé avoir ça aussi. Voilà. Je fais ça chaque année, hein, si jamais. Alors, la première, c'est Janet Scalin-Charles, Une soif de livres et de liberté, aux éditions du livre de poche. Voilà. Je pense que c'est... Ça parle de Deuxième Guerre mondiale. J'aime bien les romans qui entourent la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, The Five Prints de Lauren Asher. Donc ça, c'est le premier tome de la série. Alors, je pense que c'est Dreamland Billionaires. Voilà, alors c'est à cause de Mylène. Elle m'a parlé d'une nouvelle saga qui était en anglais, mais pas encore traduite. Et je ne sais pas si elle va être traduite. Qui est sur des pilotes de Formule 1. Et je me suis dit, bon, bah, il serait peut-être temps quand même de prendre la première. Donc, j'ai pris la première, mais je l'ai pris en anglais, évidemment. Ensuite, cette BD-là me faisait super envie. C'est Camélia face à la meute. Ça parle de harcèlement scolaire. Voilà, voilà, voilà. Je viens de faire mes résolutions. Je me dis que dans mes résolutions, j'aurais peut-être dû mettre d'acheter moins de livres et tout ça. Je me dis. Ça aurait été un choix. Et enfin, dans cette boîte-ci, Ne jamais couler de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni. C'est chez le Duc Graphique. Et là encore, on est sur une BD qui parle, je suppose, autour de la grossophobie. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, je mets ça là. Voilà. Et le deuxième. Wow. Voilà. Voilà. Alors, on a celui-là, je le voulais depuis un moment. C'est The Atlas Six de Olivier Blake. Mais il n'était pas sur ma liste. Il était, voilà, j'étais chercher ailleurs dans ma liste livre en VO. Il n'était pas sur ma liste. Voilà. Et j'ai vu que le tome 2 allait sortir. Donc, et je l'ai pris en anglais. Alors maintenant, est-ce que j'ai bien fait de le prendre en anglais? Est-ce que j'aurais dû le lire en français? Je n'en sais rien, on verra bien. Ensuite, j'ai pris The Boy Who Slept Through Christmas, a musical novel illustrated by Forrest Burdett. Et c'est de Matt Lucas. Je suis fan de ce genre de livre. Je dis, oh là là là. Je serais capable d'acheter ce genre de livre toute l'année. Hein. Voilà, des filles. Ici, on est des livres pour enfants de Noël. Que c'est pour les enfants. Voilà. Doublement, enfant. Voilà, voilà, voilà. Et j'essaye de te montrer. En plus, il y a des gros. Oh, tu vois, il y a des gros. What? J'adore ça. J'adore. Oui, je suis encore un enfant. Oui, mais oui, mais oui, mais oui. C'est ça, en fait, le truc. C'est ça, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on... il y a un soundtrack. Ici, il y a un soundtrack. C'est avec un QR code. Je regarderai à l'occasion. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire ça. Quoique, je pourrais très bien lire début janvier. J'ai également eu Elisabeth Princesse à Versailles, hein, Le secret de l'automate de Annie Jay. Voilà. Oh, il y a un petit marque-page comme ça dedans. Ça va. Ah, c'est Jérémy, c'est pas Loulou. Tu viendras voir après? Oui, j'ai encore 2 livres, j'arrive. Ensuite, un que j'attendais, et qu'il faut que j'avance, c'est Jefferson se fâche. C'est le 3e tome. C'est de Jean-Luc Mourleva. Je pense que je vais relire le premier et me refaire toute la saga. Et ensuite, on a Yesterday, Crumb and the Storm in the Teacup de Andy Sagar. Alors ça a été traduit chez PKJ. C'est une... Oh, mais pourquoi tu m'abîmes mes pages? Regarde. C'est traduit chez PKJ, je pense. Alors, c'est un truc... Je pense qu'il y a un truc avec la renarde dedans. Mais bon, c'est du jeunesse. Donc... Évidemment, j'ai préféré le prendre en VO. Bon, alors, je vais aller voir ce que l'homme veut, n'est-ce pas? Et je reviens parce que je dois te parler de deux livres. Voilà, je voulais me montrer les étagères dans la chambre. Moi, j'irai te montrer la chambre quand elle sera rangée. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de vêtements qui traînent. Et que, voilà, là, on a remis le lit dans la chambre. On a mis toutes les penderies, enfin, le petit dressing, on va dire. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à ranger les vêtements. Donc, ça va être un truc que je vais devoir faire la semaine prochaine. Ça me plaît déjà de me dire que je vais devoir passer du temps à ranger mes vêtements. Voilà. Bref, j'ai lu en roman de l'avant Mission cadeau nul de Julien Hervieux et Diego Funk, toujours chez Ozu. Hein. Alors, celui-ci, je pense que c'est un qui est sorti l'année dernière. Je ne l'avais pas acheté parce que j'aimais pas trop la couverture, enfin le style des personnages, comment ils sont dessinés, etc. En plus, le titre, il y avait nul dedans. C'était pas un le roman qui m'a le plus emballé dans la sélection. Et franchement, c'est vraiment l'illustration de Don't Judge a Book by its Cover. Parce que j'ai adoré ce roman. Voilà, je l'ai adoré. Je pense qu'il se hisse dans les premiers. Je vais avoir du mal à choisir lequel j'ai préféré. Mais alors, celui-ci, c'est... Comment je vais dire? Celui-ci, tu passes un bon moment parce que tu te marres, en fait. C'est super drôle. Et ce que j'ai adoré dans celui-ci, c'est qu'il y a des références à la pop culture. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de guirlande que quand ils l'utilisent, ils doivent mettre des lunettes noires. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient flashouillés. Si tu vois ce que je veux dire, si tu te souviens de Men in Black, il y a aussi une phrase qui a attiré mon attention qui disait que la vérité était ailleurs. Voilà, donc il y a des petites références comme ça qui sont faites à des références de pop culture et moi, bah, j'ai kiffé. Par contre, je pense pas qu'un enfant les verra. Voilà, il trouvera sans doute l'idée de la guirlande qui flashouille et qui te fait tout oublier. Je pense qu'il trouvera ça super drôle, mais il fera jamais le lien avec Men in Black. Tu vois, toutes les choses comme ça. J'ai adoré. En plus, tu te prends à l'histoire, que je t'ai même pas résumé d'ailleurs. Alors l'histoire, c'est on suit l'avant-garde. Alors il faudrait que je regarde parce que dans mon bullet journal, enfin dans mon carnet de lecture, j'ai écrit avant-garde avec avant comme écrit avant. L'avant, la période de l'avant. Pas l'avant avec A-N-T, tu vois. Donc il faudrait que je regarde. Ah ben non, je me suis pas trompée, c'est l'avant-garde, c'est comme je l'ai écrit. Ça va Loulou? Tu t'en vas? Ouais. Tu reviens demain? Ouais. Bah il vaut mieux. Ah bah, je te paye à manger. Je ne t'ai pas encore remboursé d'ailleurs. Ah non, il serait temps. Voilà, bon, alors, donc ils sont dans l'avant-garde. Et l'avant-garde, en fait, c'est une section de lutins qui doit surveiller les enfants passage et qui se rend à l'usinule pour leur commander les cadeaux les plus nazes qui soient possibles. Donc les cadeaux nazes, c'est des cadeaux qui vont d'office se péter la figure dans les jours qui suivent Noël, tu vois. Ils sont mal conçus, il y a des bugs, il y a des ci et des là, et c'est fait exprès pour les enfants qui sont pas sages, pour les faire évoluer à devenir plus sages et les faire comprendre que bah, tant qu'ils seront pas sages, ils auront des cadeaux merdiques. Voilà, donc c'est à ça que sert l'avant-garde, et donc dedans on suit le lutin Guy qui vient d'entrer dans cette section. Et le lutin Guy, il va être mis directement sur une grosse affaire parce qu'il y a l'étoile du sapin de Noël sur la place de la ville qui a été volée. Et il faut qu'avec l'agent OU, il devine qui est responsable du vol de cette étoile et ensuite de punir l'enfant en lui redonnant des cadeaux nazes. On suit ces deux agents dans la recherche du responsable pour le punir. Voilà, j'ai adoré l'enquête, je me suis pris au jeu. Honnêtement, j'ai trouvé ça bien ficelé. Il y a eu des petits rebondissements comme ça. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé l'humour, j'ai kiffé les références forcément à tout ce qui est pop culture. Honnêtement, je vous le recommande parce que celui-ci, vraiment, il était vraiment drôle, il était vraiment bien. Il ne paye pas de mine avec sa couverture qui fait que c'est pas un... T'as pas forcément aller envie parce qu'il y a cadeau nul dans le titre. T'as pas envie d'acheter un livre où il y a écrit nul dessus, tu vois. Ça, il devrait changer. Mais en attendant, moi, j'ai adoré. Et puis, les petits, tu vois, les transformations de mots avec l'avant-garde, avec l'usinule. Enfin, voilà, j'ai kiffé. Et ensuite, j'ai lu Les Contes et Légendes du Nord. Alors, Les Contes et Légendes du Nord, je t'ai déjà présenté cette box de l'avant, on va dire, tu as d'abord un petit fascicule avec une histoire. Donc, tu suis Aline qui est au début du 20e siècle. Donc, on est en 1902 dans le petit village de Tromsø au nord de la Norvège. Et elle adore lire et elle va se rendre à la bibliothèque parce qu'elle veut un livre de contes spécifique qui est un livre de contes de Sami. Voilà, les Sami, c'est un peuple qui vit dans le nord et qui n'est pas apprécié des habitants de ces ils sont vraiment rejetés. Voilà, ils sont vraiment rejetés. La bibliothécaire ne va pas vouloir lui donner le bouquin. Elle va d'ailleurs lui arracher les pages, et les pages vont s'envoler un petit peu partout dans la ville. Et en fait, à chaque fois qu'elle tombe sur les pages qui constituent un conte, eh bien, on te dit dans l'histoire, donc voilà, c'est illustré, hein. On te dit dans l'histoire, attends, je cherche, voilà. Voilà, le premier, par exemple, ici, avec le petit renard, c'est les premiers 2, 3, 4 décembre. Et à chaque fois, tu as une enveloppe avec dedans une page. Voilà, il y en a une par il y en a qu'une par enveloppe. Voilà, moi j'ai adoré les histoires Sami. La première avec le petit renard, elle est toute mignonne. La deuxième, c'est le gardien du soleil, j'ai kiffé aussi. La troisième, le roi des ours, elle était géniale aussi. L'incroyable chevelure de Sedna, celui-là, il est féministe, je dois dire. Vraiment très féministe. Ensuite, on a la forêt des géants. En fait, à chaque fois, le conte se termine, t'as le sourire aux lèvres parce que ça se finit bien. T'as une belle petite leçon, etc. Enfin, franchement, l'amour qui triomphe d'une certaine façon, ou le fait d'apprendre le respect de la nature et le respect des femmes, tout ce genre de choses-là. Enfin, voilà, j'ai kiffé. Et tu as évidemment, au fil et à mesure de l'histoire, notre petite Aline qui va adorer les contes qu'elle lit, adorer parce qu'on lui a dit que c'est un peuple qui n'est pas instruit, que c'est un peuple un peu vulgaire, enfin tu vois tout ça et tout ça. Et elle se rend compte au fur et à mesure de ses lectures que c'est pas très le cas. Et en plus, elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui est Sami et elle va bien se rendre compte que ce qu'on lui a raconté est complètement faux. Et c'est une belle histoire d'amitié, c'est magnifique, c'est voilà. Donc tu as attention, tu as 24 enveloppes. Et dans la dernière, en plus de l'histoire, il y avait ceci. Tu vas voir que j'ai paumé les petits turbans. Voilà, tu avais ceci. Et en fait, tu vas reconstituer le bouquin des contes Sami en mettant chaque feuille qui est dans une enveloppe a des trous. Et donc, il suffit de reprendre chaque enveloppe, de prendre la petite feuille. Et ensuite, comme ça, tu te crées ton propre petit livre des Sami. Et d'ailleurs, j'avais des turbans. Mais ne me dis pas que j'ai paumé mes turbans. Ne me dis pas ça. Donc, je vais m'amuser à retirer chaque... Je vais commencer par la fin, hein, ce sera plus intelligent. Je vais garder la boîte parce qu'elle est jolie. Et même dans le 24, tu as la dernière. Voilà, j'ai kiffé. Franchement, je te jure, les petites histoires... qui sont racontées, sont géniales. En plus, à chaque fois qu'il y a une nouvelle histoire, tu as des couleurs d'enveloppe différentes pour chaque conte. C'est franchement super génial. C'est à relire. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je regrette pas d'avoir... même si je les ai pas lus vraiment, tu vois, quand il fallait, puisque bon, j'ai tout lu hier, je regrette pas, parce que c'était vraiment des petits contes. Je me suis sentie dans un moment hors du temps, comment te dire, à découvrir des contes que je connaissais pas du tout, avec des petites fins qui étaient toutes mignonnes comme pas possible. Honnêtement, ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur les Sami, d'autant plus que les Sami, ce sont eux qui ont apprivoisé, on va dire, la pinkwara. Donc, c'est eux qui s'en servaient pour leur garder les troupeaux de rennes. Voilà, donc l'origine de Raya, c'est le peuple des Sami. Donc, tu vois, pour moi, ça a encore d'autant plus de signification. Et donc, à la fin, ils te disent que la situation des Sami dans les pays du Nord n'est plus celle qu'elle était en 1909 ou en 1902. À ce moment-là, ils étaient... où à ce moment-là, ils étaient des parias. Mais que la situation n'est pas non plus parfaite aujourd'hui. Attends, je vais regarder ce qu'il est mis. Voilà, aujourd'hui, ils sont plus reconnus et davantage respectés que dans les années 1900. Malgré tout, ils ont encore du mal à se faire une place et obtenir la reconnaissance totale de leur culture et de leur territoire. Voilà, donc vraiment, si tu as l'occasion, l'année prochaine, parce que je me doute bien que cette année, c'est trop tard, quoique, je veux dire, les contes, c'est pas forcément des contes de Noël. Voilà, on est sur des contes qui se passent plus l'hiver. Donc, si tu as envie de te faire un petit calendrier de l'Avent bien sympathique au mois de janvier et qu'il y en a encore, pourquoi pas? Voilà, là, je suis en train de retirer toutes les... Heureusement, est-ce qu'elles sont dans l'ordre? Putain, elles sont pas dans l'ordre. Elles sont pas dans l'ordre. 13, 15. Je regarderai ça après. Si j'ai tout... Mais parce que normalement, je les avais laissés dans l'ordre, mais... Visiblement, il y a eu un petit couac quelque part. Ouais, je suis sur la dernière histoire. J'ai même du mal à me dire que je vais jeter les enveloppes. Je crois que je vais tout garder. Voilà, donc 1, 2. Je regarde si les enveloppes sont dans le bon sens aussi. 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok, ça c'est bon. Donc ça je remets là. Alors, il y a un truc qui a été inversé. La page 12 qui finit avant les autres. Donc 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 et 23 puis 25. Voilà. Et donc, toutes les histoires remises, ça fait ça. Donc, je les glisse entre. Et là, je vais venir mettre les petites cordelettes. Attends, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Attends. Attends. Hein, je cherche comment bien mettre tout pour que ça fasse joli. Parce qu'il y a 3 trous. Moi, je pensais que j'allais avoir 2 trucs. Mais je n'en ai pas 2. Donc... Je me dis, est-ce que je dois faire 2 morceaux séparés? Ah purée, c'est compliqué. Peut-être que... Attends, je vais le mettre dans l'autre sens. Peut-être que j'aurais pu essayer. J'essaye de laisser pendouiller le fil, mais le problème, c'est que je ne vois pas le fil ressortir. Mon Dieu, je veux dire qu'il y a encore un trou après. Voilà, c'est passé. Donc, ce que je vais faire, déjà, c'est... Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais repasser... Oh, je sais pas du... Oh là là, je ne pense pas que... Non, je vais couper. je vais couper. Et je vais passer dans le trou ici, dans lequel je suis déjà passée. Donc ça veut dire que ça va être encore d'autant plus difficile de repasser par le même trou. Allez, allez. Oh mon Dieu. Je sens que j'y suis pendant des heures. Et monsieur, ici, là, j'ai une bouche, moi, à les faire. Hein. Quand j'ai fini ça, je vais aller terminer ma bûche. Ça m'ennuie parce que Jérémy veut que j'aille l'aider à ranger les vêtements. Je t'avoue que j'avais pas prévu de faire ça avant l'année prochaine. Le problème, c'est que tous les vêtements... Regarde, je me sers d'une pince. Hein. Le problème, c'est que tous les vêtements sont sur le lit. Ce qui veut dire que si je ne vais pas ranger avec lui, bah, il ne peut pas dormir. Voilà. Et là, est-ce que c'est bon? Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors bon, ça, on peut essayer que ce soit plus joli. Hein. Bon, là, il n'y en a pas, par contre. Et par contre, j'ai assez de mouvement, tu vois, pour pouvoir tourner encore les pages. Voilà, sans abîmer trop le truc. Donc, voilà, j'ai mon petit livre de contes Sami. Je suis contente. J'ai adoré, j'ai kiffé. Et encore une fois, je te recommande. Et j'ai tout mis dans le truc du haut. Je te conseille, vraiment. Allez, je vais aller bûcher.